7h15, réveil. Là, on va tous prendre le petit déj, ensuite on retourne dans nos chambres, on se prépare et à 8h, on doit être en cours. C'est important de bien manger équilibré pour être prêt pour la journée. Un bol de lait avec des céréales, un verre de jus d'orange, de jus de pomme ou de jus de fruits et une tartine de pain. Je vous avais expliqué qu'effectivement on appelle ça les 30 glorieuses et pourquoi on arrête en 73. Voilà, le chèque pétrolier qui est dû à la guerre du Kippour. Bah, c'est presque comme des cours particuliers. C'est, dès qu'on comprend pas quelque chose, on peut demander et on nous réexplique. Ils nous ont déjà répété que c'était un double projet école plus foot, donc si ça va à l'école, ça ira au foot. Le TPO de Ricourt, l'école technique privée, donc, c'est-à-dire la scolarité plus l'internat. Donc ils sont une quarantaine de jeunes entre 15 ans et 18 ans. Il y a 25 professeurs, nous avons une trentaine d'internes et donc une dizaine de demi-pensionnaires. Quand on dit demi-pensionnaires, donc c'est Rennes et sa périphérie. Hein. Donc les cours sont centralisés sur les matinées, voire sur une journée. Et les entraînements donc, sont centralisés après eux sur... Ben, voilà. Une fois qu'ils ont terminé les cours, ils vont à l'entraînement. Et puis ben, pour eux, la concentration ben, n'est pas la même et la fatigue n'est pas la même non plus. Ouais, de cours, il y a à peu près ouais, je dirais une quinzaine d'heures, 18 heures. À peu près, ouais. 18-20 heures de foot par semaine. 35 ateliers, vous les voyez, ils sont inscrits sur le tableau. Vous connaissez, il n'y a pas de surprise. Gainage facial, gainage latéral, spino, gainage latéral, lombaire, pompe iso. Je joue défenseur central depuis 2 ans. Je joue. Voilà, j'ai commencé la saison, j'ai repris avec les U19 et je suis en sélection équipe de France U17. Je pense que quand on arrive ici, tout le monde a beaucoup d'envie, de la détermination. Après, essayer d'aller titiller les grands, c'est toujours plaisant. Donc, puis toujours donner de son mieux. Il y a des phases de bien, il y a des phases de moins bien. Il faut savoir gérer les deux. Le travail paye, comme on dit, donc sans travail, on n'arrive à rien. Cette nouvelle organisation nous permet d'avoir plus de temps avec le joueur. C'est-à-dire qu'il est avec nous de 14h30 à 19h à l'après-midi. À la sortie des cours, il ne pense plus qu'au sport. On gagne en qualité de travail, en qualité d'écoute. Les joueurs courent moins. Ils sont plus attentifs à ce qu'on peut leur dire. Ouais, la fatigue, c'est normal. Là, tout de suite, non, je le sens pas. Mais ce soir, je pense que... Je pense que ça va se sentir dans les jambes. Il y a la Ligue des Champions, donc c'est... C'est ça, il y a un match à pas louper.